se dissout en lui. J'adore torturer l'esprit des mortels. Tiens, bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est Dark Monsieur Mendes 02, et en ce moment, je suis en train de tester les limites psychologiques des mortels, voir jusqu'où ils peuvent subir comme souffrance. Bon, on n'est pas là pour parler de ma vie, on est là pour parler du Dark Défi numéro 14. Et en ce moment, je connais une personne qui déteste ce numéro, le numéro 14. Et je parle bien sûr de Megage, son c'est évidemment. Et donc, pour ce Dark Défi, il va devoir aller au bout de ses limites, parce que le jeu qu'il va devoir faire, eh bien, c'est un jeu qui est extrêmement connu sur la chaîne. Je parle bien sûr de Teletubbies sur PlayStation 1, évidemment, le jeu le plus drôle de tous les temps. Car l'objectif de Megage 76, il a l'air simple, mais pour lui, ce sera peut-être pas le cas. Car il va devoir ne pas dire des choses négatives sur le jeu, qui a un rapport avec le jeu ou les personnages et tout, pendant une durée de 15 minutes. Donc en clair, si en dessous de 15 minutes il dit un truc de mauvais, eh bien dommage pour lui. Donc voilà. Sans plus attendre, il est l'heure de commencer la souffrance pour lui. Allez, c'est parti! C'est quoi ce... what? C'est des yeux, là. Et... coucou! Ah ça fait peur, n'est-ce pas? C'est une réaction exagérée. Tout à fait. Pourquoi pour de haine. Parce qu'on aime te voir souffrir, voyons. Salut à tous, c'est Miguel Chancette pour le Dark Défi numéro je ne sais plus combien, parce que c'est pas que je n'ai rien à faire, mais c'est que j'ai autre chose, c'est que je pense à autre chose. Tu penses à ta souffrance. On l'a tous vu, bande de sadiques. Et ouais, c'est populaire et ce jeu. On va remettre cet enfer. Et oui. Et là, j'ai lancé le chronomètre. Ouais, c'est générique dynamique. Tout à fait. Donc, on va voir si notre petit... notre petit Megage 76 va-t-il résister. Je préfère pas m'énerver. On ne veut pas. J'ai pas envie. J'ai pas du tout envie. je dois acheter l'esprit. Ah, faut que je choisisse les boutons. On va prendre Pooh. Oui. Tais-toi. Je t'ai pas demandé. Oh là là. Fais attention quand même. Petit couloul. Bon, elle a rien dit. Qu'est-ce que tu joues avec les fougères, toi? C'est pas des fougères, c'est des sapins. Un jour. Vous jouez à cache-cache ou quoi? Tout à fait. Vous faites quoi? Jouer à cache-cache. Waouh. Cherchez Lala. Lala n'est pas du tout visible. Je me demande où elle est. On peut être que dans un seul endroit. Énorme crâne qui dépasse. Tout à fait normal. Oh là là. Encore. Ah oui, encore, parce que c'est drôle. Je m'en fiche. Il est caché dans l'arbre qui est là. Bravo. Et je ne ferai pas de commentaire sur cette énorme antenne qu'il a. Pour moi, ça me fait penser à une... voilà. Tu ne dis rien, voilà. Oui, bah c'est bon, on a compris. C'est bon, on a compris. C'est dur de se retenir, n'est-ce pas, Megage? Il est pas bien dissimulé. Hein. Ouais. What? Mais c'est pas un câlin, ça. Il était limite en train de se... Tous les Teletubbies jouent à cache-cache. Oh, je m'en fous. J'espère que vous voulez... J'espère que vous, chers téléspectateurs, vous marrez bien. Moi, c'est le cas. Oui, c'est bon, on a compris. Ah là 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 là, Megage 76, je sens qu'il va perdre ce Dark Défi. C'est tout à fait normal si je repasse en boucle. Bah, je sais pas, moi, il y a un gros truc vert qui dépasse. C'est lui, non? Je sais pas. Non, c'est bon, je veux pas, non.
C'est déjà assez... Je me rappelle un gosse. Préfère ne rien dire. Ouais. Appuie sur ça, il t'a terminé. Ah, croix. Tobis. Je vais prendre le Télétobis force vert. Je vais prendre la force de la vie. La force de la vie. La force surtout de se trembraler avec une couche sur la tête. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu dis, Midage? Il y a un item juste devant toi. Ramasse-le, je sais pas, fais un truc. Oui. Ok, d'accord, c'était juste la fougère qui était à côté, d'accord. Un jour, au pays des Télétobis. Et je m'en fous de ton pays. Fais attention. Oh mon Dieu. Parce que je sens que tu vas bientôt perdre. Je dois faire quoi? C'est quoi? C'était un miroir. Bah, je sais pas, regarde. C'est un miroir. T'es en train de bien rigoler, Dipsy. Ouais, mais faut encore que j'aille le chercher. Oui. Faut aller le chercher. Elle me demande pas ce que c'est, par contre. Hein. Tu fous pas de ma tronche. Hein. Je t'apprends à appeler ça une activité, Manny. Oui, c'est une activité très intéressante. C'est scintillant. Et au passage, ça fait tellement de ma tronche en plus, lui. Il en profite, hein. Lui en profite. Au passage, ça fait depuis presque. Ah, bah tiens, on a juste fait un énorme aller-retour. Et c'est quoi ce bruit? On a l'impression que j'ai envie de chier. C'est quoi ce bruitage d'un enfant de 5? Bon. Et bien, mon pauvre petit Midage. Dans mon beau miroir. Ouais. Qu'est-ce que je vois? Bah, moi. Dans mon beau miroir, c'est moi que je vois. Bah, oui. Tu vas pas voir le fantôme d'Albert Einstein, non? Bon. 5 minutes, hein. J'ai qu'une chose à te dire, Midage française. T'as fait plusieurs remarques négatives, donc. Non, je t'ai pardonné un peu. Et là, non, je ne te pardonne je pas. Je peux pas. Donc, t'as perdu le Dark Défi. Et tu continues de foutre de ma gueule, toi, en plus. Mais parce que t'as perdu le Dark Défi. Mais vous savez quoi, chers téléspectateurs? On va laisser le chronomètre défiler. Et laisser le Midage sans cesse souffrir. Parce que c'est drôle. On n'a pas le ballon. Encore. Ah, c'est ça ton activité pourrie? Encore. Mais c'est bon, je veux pas jouer. Dans tous les cas, là, il aurait perdu. Donc, dommage, Midage, ah, si tu as perdu le Dark Défi. Allez, hop. C'est drôle, les Télétobis. De prendre le pouvoir du pédopanda. Ah bah tiens, une autre remarque négative. Non, c'est bon, j'ai déjà fait cette activité en carton. C'est drôle de faire des... Ouais, c'est drôle de jouer à ce jeu. Et moi, je fais le gros touriste, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ouais, on joue avec le moulin. Et t'amuser avec le moulin. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Magnifique. Allez, il est temps de danser. Elle danse, dit-il le tour. Un énorme câlin, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est chelou. Tout à fait. Oh, des écrans. Vous connaissez pas la semaine sans écran, vous, je sais pas. Pinky Winky. Allez, hop. Il dit tout ça. Arrête leur nom comme des abrutis. Lala. Bon bah. Non, pas de blague. Chers téléspectateurs, si vous avez un compteur d'avis négatif, vous pouvez marquer à la fin des commentaires combien d'avis négatifs. On a compris. Mégachon, ça a dit durant cette vidéo. Et j'ai 4 ans. Oui, mais c'est bon, on a compris. Ta copine nous a déjà dit que t'avais 4 ans. Parce que vous voyez, moi, j'ai la flemme de compter. C'est mon ami. Venez voir Itaï. C'est quoi ça? Bonjour. C'est qui lui? C'est un monsieur à moustache. Les guitares. Vous savez ce que oui, c'est vrai, il va pas jouer de la flûte, hein. Il y a encore des remarques. Waouh, quel c'est instrument. Tout à fait. Thank you.
Tu souffles dedans, tu fais quoi alors en fait c'est... C'est le mauvais côté. Ah bon? C'est le mauvais côté. C'est le mauvais côté? Ah bon? C'est je sais pas. Non. Ça va, j'ai jamais joué. J'ai jamais joué de guitare. Non, c'est comme ça. Tu sais pas comment ça marche une guitare, m'a dit. Mais des chansons, tu le déçois. Je crois pas. Quoi, c'est... Je ne vais pas préciser. Oh non, tu pouvais préciser parce que de toute façon t'as déjà perdu d'art des filles. Je vais pas préciser à quoi sert ce trou. Bah si. Nous sachons un jeu tout public. Ce trou, c'est ce que tu as dans ton derrière. Ce trou. Je dirais que ça va faire du son. Ok, donc en clair, tu veux dire que ton derrière fait du son. Putain. Omar, c'est pas faux. Si tu voyais la vidéo que tu... Si tu savais que t'allais passer dans une vidéo, je t'assure que tu te marrais beaucoup plus. Peut-être pas. En ce moment, moi je suis en train de me marrer. Bon, maintenant on a bébé parce qu'on va l'arriver, hein. Tout à fait normal. Oh là, eh oh! Ils font quoi là? Ils courent poursuite là? On peut dire. C'est quoi? C'est version Tom et Jerry? C'est... Comment ça se passe? Ah, t'as déjà fini. Ah, mais elle part encore. Ah, vous faites juste le tour des chaises. D'accord. Elle fait une petite course. C'est très passionnant. On y va. Ouais, mais non, malheureusement, pour moi, c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Parce qu'il te reste encore 6 minutes. C'est bon, t'as tout bien. C'est déjà que t'es là. Oh, c'est mieux, t'as celui-là. Oui, c'est bon, t'as besoin de faire avoir à ta mère, je sais pas si... Non. Non. La méga échante, ça commence à craquer. Tu continues à te foutre de ma gueule. Normal, parce que c'est drôle. Oui, mais c'est le plus grand, le plus grand. Et je vais m'amuser. Oh, c'est plus sûr. Ah. Bonjour. Je vais rentrer dans cette cabane. Rentre dans ta maison. Je suis stupide. Et je sais pas courir. Miguel française aime faire des remarques négatives. Je vais jouer. Oui. Sur ce jeu. Glou glou. Wow. Tiens, passé. Oui. C'était l'heure du Toby Délice. What? Toby Délice. Toby. Mais putain, mais c'est le même bruit que le mec qui vient avec son sous-marin. Oh là là. C'est pas un sous-marin, le machin. Mais arrête de marcher, tu espèce d'abruti. Mais t'es défoncé ou quoi? Non, normal, parce qu'il est violet. Mais t'es con? Oui. C'est pas comme ça qu'on est tous ce soir. Là, tu veux juste le dégalasser, là. Tu veux laisser de la place pour l'aspirateur. Oui. C'est pas chiant, non, putain. Oui, parce qu'on me sent, non? Que voilà l'aspirateur! Non, mais allez, tout va bien! C'est normal dans ma vie! Je me pas ce qu'il y a sous ses pieds parce que je m'en bats les steaks! Non, pas encore! Non! On va laisser la place au stagiaire! Non, je ne pas ce qu'on fait! Non, c'est bon! Tu souffres déjà assez des joueurs! Oui, hein, mais bon! On va faire le bouton tricolore! Oui! Ah, tu es une putain de monstre, là. C'est passionnant. N'est-ce pas? Hein? Drôle de bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bah, c'est un sacré bordel, voyons. De merde! Je sens que Média Française va bientôt craquer. Nul. Ça va bientôt arriver. Oui. Ouais, c'est fini. Ou pas même. Mais je t'ai pas demandé. Oui. Non. Casse-toi. Non, surtout pas. Oui. Surtout pas rejouer avec cette horreur. Rejouer avec ce truc, c'est drôle. Oui. Je retourne dehors parce que je vais attraper Francouille. Vive le remarque négatif avec Miguel Chances. On s'en l'a déjà fait. Oui. Non, on s'en l'a déjà fait. Oh, le nuage. Nuage.
avec les nuages, ouais. On rentre dans votre niche. Vous avez un défi, on le sait alors. Je peux aider le bouclier bar déjà. Il y a trop de nuages qui s'allument. Utilise ton bar là. Non, qui monte en hauteur. Oh mon dieu. Oui, c'est très passionnant. De faire jouer avec les nuages. Et c'est quoi le but de cette activité de merde? Ben, le but c'est de rien foutre. Voilà. Et c'est passionnant. Ah là 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 là. Ça c'est faire quoi après? Que dalle, voilà. C'était mon foyer. Continue à se foutre de ma gueule littéralement. Bah, le soleil bébé aime te voir souffrir. Alors là par contre j'ai le dilemme. Est-ce que je reste là en parlant de mes expériences avec cette saga ou je fais une petite... Oh tiens, là, non, faut que tu fasses d'autres activités. Eh, viens par là, toi. Je veux te voir. Tu veux faire... violer. Tu veux faire du civet du lapin? Ouais, une fleur. Je peux manger faim. T'es un champ de rose ou quoi? Oui, ils font des sons, moi. Viens par là. J'aime les lapins. Le lapin? Ouais. Ouais, on a déjà fait ça, mais c'est pas grave. C'est drôle. On l'a fait tout l'été, tout mal. On l'a pas fait tout le monde. Pour payer des Teletubbies, tous les Teletubbies jouaient à cache-cache. Oui, on l'a déjà fait ça, on l'a fait au début de vidéo. Cherchez faux. Évidemment. Où est-il? Je me demande où il est. Ouais, bravo. Ouais, j'adore ça. Mais il y a le son de ses aimes jouer à cache-cache. Oh. Oh là là. Quelle blague de merde. Je l'ai trouvée. Elle était pas compliquée. Mais c'est moi, c'est moi. Ils ont tous la réplique pendant les jeux. Oui. Wow. Dipsy. 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 Bravo. Voilà. Gros câlin. Bien. Le chronomètre, c'est fini. Non, c'est bon. J'attends la limite. Ouais. Commence à cracher, Miguel Sanchez. J'ai tenu mes 15 minutes. Oui. Pas de faire mettre. J'ai réussi. C'était dur, mais j'ai réussi. Non, t'as perdu. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ce jeu, c'est de la merde. Bon. C'est fini. Sur ce, on va couper la vidéo maintenant. Même si... Les fonds de ces accrachés. Vous voulez faire un défi sur ce jeu, et bien c'est la mort. Parce que comment ne pas dire de la merde sur un jeu comme ça? C'est limite pas possible, même pour moi. Donc voilà. J'espère que vous, les téléspectateurs mortels, vous avez bien apprécié ce défi. En tout cas, moi, je me suis bien marré dans mon coin. Ainsi que les autres qui m'accompagnent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et le faire partager pour voir les gens en train de bien rigoler en voyant Miguel 76 se faire en train de souffrir. Et bien sûr, je suis rassuré que tout n'est que du second degré. Donc voilà. Et aussi, si vous avez des dark défis à proposer, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un message sur YouTube ou bien via les réseaux sociaux. Et aussi, abonnez-vous à la chaîne de mon alter ego et la mienne, vu qu'on forme tous les deux une seule et même chaîne, pour suivre d'autres aventures. Et puis voilà. Sur ce, je vais aller continuer de torturer psychologiquement d'autres mortels avec les Teletubbies. Pour voir qui résistera le plus longtemps. Et sur ce, je vous dis à tous à bientôt pour de prochains Dark Défi. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.